certainement mis un peu plus de pression à vous les milieux de terrain, parce qu'on sait que la force de cette équipe, c'est quelque part en dehors de toute manière, on doit être prêt. On doit être prêt à toute éventualité. C'est vrai que l'absence de Sadio, c'est vrai que ça va nous faire énormément de mal, parce qu'on avait l'habitude d'être avec nous, c'est un joueur important. Mais comme j'ai dit, il va falloir faire sans, malheureusement. Et voilà, on a des joueurs de très bonne qualité aussi. Donc on est confiant de nos qualités et on va tout faire pour le montrer. Comment faudra faire pour trouver le juste équilibre de votre coach depuis la norme enfin, pardon? Quel est le discours de votre coach depuis la norme pour porter le sujet? De rester, essayer de rester le plus positif possible et de bien se préparer pour aborder le premier match, simplement. Vous étiez un des meilleurs joueurs de la CAN. Est-ce qu'avec l'absence de Sadio Mané, vous allez prendre un peu de pouvoir dans cette équipe de Sénégal? Non, pas forcément. Nous, on a un groupe plutôt humble. Avec beaucoup d'humilité, on sait que tout le monde est important dans ce groupe, même ceux qui vont peut-être pas débuter le premier match. Donc voilà, moi de donner, puisque vous parlez de moi, à moi de donner le maximum pour aider au mieux l'équipe. Simplement. Personnellement, avant la CAN, votre cas a fait l'objet de beaucoup de débats parce que vous ne jouiez pas beaucoup en club, sauf que quand vous étiez venu à la CAN, vous avez fait taire beaucoup de monde. Est-ce qu'aujourd'hui, même si la situation n'a pas évolué, même si c'est une autre compétition, après, pour être honnête avec vous, moi, de ce que je dis, les médias et tout, c'est pas mon problème. Moi, je suis concentré sur moi, je me donne toujours à fond. Et après, voilà, j'essaie d'aider au maximum le Sénégal. Après, tout ce que je dis à côté, c'est pas du tout mon problème. Ok, merci. Maintenant, Kalilou.